Bambakiri. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour les curieux. Bonjour mes curieux et mes curieuses. J'ai travaillé ma tête pour vous trouver un nom. Comme je pense que beaucoup de gens sont curieux et beaucoup de curieux et curieuses, parce que je mets au féminin et au masculin. Beaucoup de gens sont curieux et curieuses. Moi, mon nom que je vous donne, c'est mes curieux et mes curieuses. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Mireille Guefaubir. Bonjour, Manga Jolie. Bumbambo Christmas. Yé, Abimo Yate, Ngolo En tout cas, merci d'avance. Bonjour à toi, ma soeur. Bon, qui j'oublie là? Massou. Gwen Yumbi, bonjour. Je dis que j'étais au Ngata. Mais je ne suis pas partie au Ngata à cause du Japap. C'est mon poste, j'ai fait un poste. Les gens commentaient. J'ai répondu à un commentaire. Un commentaire. Ça m'a envoyé au Ngata 6 jours. Bon, la page est restreinte, c'est pas grave. De toute façon, hein, c'est pas ça qui change grand-chose à ma vie. Donc, détrompez-vous que quelqu'un ne vient pas dire oui, c'est moi qui l'ai envoyé au Ngata. Non, non, c'est moi-même. Je n'ai pas codé les mots, je n'ai pas. Facebook est devenu trop, trop tranchant. Trop, trop tranchant. On ne sait même plus si on peut dire quelque chose à quelqu'un dans Facebook. Si. Dans tous les cas, vous savez qu'en partant au Ngata, j'avais un dossier sur les mains. Mon dossier, c'était Rêve Mbida. Et je l'avais dit que Rêve, comme je te regarde ce matin-là, les yeux dans les yeux, il est 8 h, il doit être 8 h 15. Que si tu fais ta sortie, moi-même, je vais te traiter. Le direct que je vais faire de toi. Il faut que je prenne mon temps parce que je dois faire écouter les archives aux internautes. Je dois faire écouter les archives aux internautes, ceux qui viennent d'arriver. Parce que les archives que j'ai sur toi datent de 3 ans. Oui. Parce que ceux qui viennent d'arriver ne sont pas au courant. Ils arrivent, ils créent leur Facebook, ils arrivent, ils trouvent Facebook dans son movie. Pourtant, nous sommes là depuis. Et j'ai pu comprendre que dans tes déclarations, tu dis que tu es venu dans Facebook pour moi. Ngossa. Ngossa, je ne parle pas d'elle. Elle peut te répondre. Elle t'a même déjà répondu. Mais comme j'étais au Ngata, tu as peut-être cru qu'elle a fui. On te dit que je fuis mes problèmes, amis. Je ne fuis pas mes problèmes, hein. Je choisis juste qui répond. C'est deux choses différentes. En l'occurrence, toi. Comme tu viens toi-même annoncer sur les réseaux sociaux que tu es venu t'installer sur tes poufs, sur tes coussins, pour moi, je te dis de faire le direct étant debout comme une femme. Je suis debout. Tu as vu? 1 m 70. Fais le direct étant debout comme une femme. Si tu peux. Ne fais pas en direct étant tout le temps assise, on dirait que tu as peur de pisser et que quelqu'un, ou que tu as peur de montrer tes bourrelets. Même tes bourrelets là, tu ne devrais pas avoir honte. Tu as fait 2 enfants. La seule femme qui vient sur les réseaux sociaux se vanter que le père de son enfant est venu en Europe à 9 ans et il est reparti. Il t'a fui, oui. La seule femme qu'on met enceinte, le gars, poum, il rentre au pays. Vous avez déjà vu ça, Adam? Ou la panine vient, il s'est maudite, je ne sais pas. La seule femme qui vient sur les réseaux sociaux nous raconter que le père de son enfant, son dernier bébé là, est venu en Bain, à 9 ans, mais il est reparti au pays. Mamie, on peut mettre l'enfant de quelqu'un enceinte comme ça et après fuir. Il t'a fui. Il t'a dit que je te laisse avec. Même l'enfant là, je te laisse. Les gens disent souvent au pays que l'enfant va me chercher.
L'enfant va me chercher. Donc voilà qui te retrouve, mais seul en main. Tu dis qu'on parle de ta vie. Toi, tu peux parler de ma vie. Tu parles de ma vie, de ce que tu sais sur les réseaux sociaux. Je vais te dire une chose. Comme dans ton direct, tu as dit qu'il y a même sa belle famille qui m'a appelé. Ma belle famille sait que je suis sur les réseaux sociaux. Ils connaissent les réseaux sociaux. Tout le monde a été averti que la personne qui va venir sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là. La personne va se mettre coupée. Idem que ma famille. Tu m'as déjà vu un jour poster un membre de ma famille sur les réseaux sociaux? Jamais. Un seul membre de ma famille, je n'ai pas encore posté sur les réseaux sociaux. Ma belle famille, alors, n'a rien. Jamais. Ils savent que je suis là. Et c'est chacun, comme je dis toujours à tout le monde, que si vous venez, c'est chacun à ses risques et périls. Moi, je suis déjà Mourahou à vous sur les réseaux. Donc, tant qu'on dit, on invente, tu prends mes photos. Moi-même, j'ai posté les photos où je vois le Matango village là. Tu ne pars jamais dans ton village. Tu as un village. Tu as un village, Renvinda. Tu as un village, va dans ton village. Va te détendre. Quand on part au Cameroun, on dit dans le Luxembourg, on a tout ici en Europe. Quand on part au Cameroun, c'est pour se dépayser, pour se ressourcer, pour revivre comme nous-mêmes on vivait quand on était jeunes. On ne part pas au Cameroun pour le bling-bling. En tout cas, c'est ma conception. Je ne pars pas au Cameroun pour aller montrer que je suis, voilà ma perruque qui arrive jusqu'aux fesses, mes ongles jusqu'à mon rouge à lèvres, jusqu'à le fond de teint. Si tu sais même comment le fond de teint, quand tu es au pays avec la chaleur, comment le fond de teint met les gens mal à l'aise au pays. Le fond de teint te manque le respect en plein milieu des gens. Le fond de teint, parce que le fond de teint même migre au pays. On fabrique ça pour le climat de Mbeng. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on peut prendre le fond de teint pour rentrer avec, dans la chaleur africaine. Donc tu viens prendre mes photos. Où moi, Elise, je suis assise sur l'Onkoele, en brousse, en train de boire le matango bio. Pas le matango frélaté, le bio des bio. Assise, je me mets à l'aise, on me prend en photo, je poste. Je n'ai pas honte de ma peau. Je n'ai pas honte de qui je suis. Je suis une belle femme, c'est ça qui vous dépasse. Je suis belle, je suis intelligente. Et ça, ça vous énerve. Je vous dis bien que parmi nous toutes là, aucune de vous n'atteint le cul que j'ai au niveau de mon cerveau. Même toi-même, je ne suis pas sûre que tu as même eu ton bac. Je ne suis pas sûre que tu as le niveau seconde. Parce que ton français, c'est un français approximatif. Va regarder ce que c'est dans le dictionnaire. Approximatif. Ça prend des idiotes qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'elles se disent que elles parlent bien. C'est le français approximatif que tu parles. Tu n'as pas fait seconde. Moi, je ne cache pas. Je me suis arrêté en troisième. Je ne le cache pas. Mais j'étais, mais alors, très intelligente. Si j'avais eu cette chance-là, c'est que je suis loin. Toi qui as alors eu le père et la mère. Même la seconde, tu n'as pas fait. Je ne suis pas sûre que tu as même ton BPC où tu es là. Je ne suis pas sûre. Contente-toi peut-être du certificat d'études primaires élémentaires. Moi, j'ai mon diplôme. C'est un diplôme que même certains enfants achètent au Cameroun aujourd'hui. Je loue à l'époque pour avoir le certificat d'études élémentaires. C'était le haut niveau. Ce n'est pas l'école de maintenant. Ce n'est pas l'école de maintenant. Parce que même ce diplôme-là, beaucoup achètent ça. Tu viens, tu t'assois, oh je suis intelligente, je suis intellectuelle. Une intellectuelle ne fout rien sur les réseaux sociaux. Tu m'excuseras. Une intellectuelle a une ligne de conduite à tenir sur les réseaux sociaux. Tu viens t'asseoir sur les poufs, tu ouvres ta sale bouche à merde, quand tu suces les mbites d'un Dieu Wat. Je vais étaler ta vie ici. Donne-moi juste un peu le temps. Si j'ai même le temps, ce soir, parce qu'il faut que j'ai le temps, que je sois au calme, parce que je vais mettre le volume, que les internautes écoutent bien ta misérable petite histoire. Tu peux me parler? Oh, Elise, toi, tu es sale. Si tu me traites de sale parce que je suis noire, toi et moi, nous sommes deux salotos. Puisque tu es noire comme moi. Moi, je suis alors une noire. Tu as vu mon noir?
Tu as vu mon noir? Mon noir n'est pas épais comme le charbon comme le tien. Vous êtes obligé de vous dépeindre le visage. Personne d'entre vous ne peut avoir le courage de se mettre naturellement. Pourquoi? Vous êtes complexé. On vous dit qu'Elise est complexée. Je ne suis pas complexée. Quand on me dit qu'Elise a le gros ventre, je mets chaque femme au défi qui a au moins eu même. Il y a des femmes qu'avec un seul enfant, son ventre est foutu. Moi, j'en ai aligné 6. Donc, c'est normal. C'est pour ça que quand on m'insulte, oh gros ventre, ça ne me fait pas de mal. Parce que je sais que c'est normal. C'est le processus normal du corps humain d'une femme qui a porté 6 de se détruire. Après, il faut avoir des moyens. On a maintenant les chirurgiens. Oh, tu as des moyens, tu peux refaire tout, non? Ah oui. Quand tu viens t'asseoir, tu es où, madame la justicière, Rembida? Tu es où pour défendre ta soeur? Tu as vu le njangi que ta soeur bouffe là dehors en ce moment? Maman, les archives de ça. Viens jouer la justicière si tu es femme. Tu penses vraiment que tu peux venir te placer sur les réseaux sociaux, tu m'insultes? On y a un tasage, bien on vit de catégorie, Binda. Hein? Attends. Toi et moi, on est les catégories de femmes. Quand on te place, on me place. On est les catégories de femmes. On t'a dit qu'un homme m'a fait un enfant, il a fui. Un homme te fait l'enfant. Il fuit. Il rentre au pays. Adama. On peut être poisseuse comme ça. Le blanc t'a botté le cul. Botté. Mes chers frères et sœurs, il faut que vous écoutez la vidéo que j'ai là. Vous devez écouter ça. Le blanc a botté le cul de cette veuve Mbida. Elle dit que j'ai quitté le blanc. Elle a fui. Fui. Jusqu'aujourd'hui, elle reçoit encore les courriers. Les courriers des dettes. Des dettes que le blanc lui a laissées sur le dos. Plus de 30 000 euros de dettes. La rêve que vous voyez là. Les gens ont les problèmes ici sur cette terre. Les gens ont les problèmes sur cette terre que vous voyez ici. Ne voyez pas les gens sur les réseaux sociaux, vous dites qu'ils sont mieux que vous. Certains ont les lots de problèmes. Le blanc avait acheté une voiture, 18 000 euros. Une bête, elle dit qu'elle est allée à l'école, elle dit qu'elle est intelligente, cette idiote. Une bête, bête fille. Le blanc a pris son nom. Ils sont allés. Il a fait le crédit et c'est elle qui paye. Et le blanc a fui avec la voiture. On peut faire ça. Tu parles de mes parents, tu dis que je suis une djanga, une tebe. Ah, je dis que je suis comme ça. Un blanc te met les crédits sur le dos. Si tu es intelligente, tu dois être vaillante. Tu dois être à l'affût de tout. On ne sait jamais avec qui on est. Ah, monsieur qui avait 90 ans, ya, tu n'avais pas honte toi aussi, ya, ma soeur. 90 ans, c'était quel genre de blanc? C'était le complexe du blanc. Le blanc à tout prix. Même le blanc de Yenga était beau. Même le blanc de Yenga était mignon. Le blanc a tout pris. Un papa de plus de 90 ans qui avait déjà fait sa vie, qui a roulé sa bosse, a réussi à te enrouler dans la farine. On t'a enroulé dans la farine. Tu peux parler fort où tu es là. Parle de tes crédits que le blanc t'a laissé. Tu fuis de pays en pays. Tu crois que l'Allemagne va te laisser? Où tu es parti habiter là, n'est-ce pas? Tu croyais que l'Allemagne ne va pas te retrouver. L'Allemagne t'a retrouvé que viens rembourser. Viens rembourser. Viens rembourser. 18 000 euros, une voiture peña. Tu n'as jamais roulé dedans. Tu n'as pas de permis. Tu as un Dieu me jonte. Il soule un guan grati. Comme je vous dis là, mes soeurs, vous allez écouter ça. Et la voiture, peña, sortie d'usine, 18 000 euros. Même pas à son nom. Et elle paye. Et la télévision, les grandes télé que vous connaissez là, qu'à l'époque, ça coûtait les milliers d'euros. Elle a le crédit là sur le cul. Celle de Raven Bida. Tu peux parler à qui? Tu peux venir dénigrer qui sur les réseaux sociaux? J'ai une sale misérable vie comme la tienne. Tu es miséreuse. Tu es miséreuse et misérable. Je n'ai pas une sale vie comme la tienne. Même la télé
Le blanc, le père blanc de 90 ans, là, partait acheter. Vous savez qu'on fait les crédits, non? C'est elle qui travaillait. Elle travaillait. Pendant qu'elle allait travailler pour work son kaolo, il faut dire vrai, c'était pour work son cas. Parce qu'on lui a d'abord dit que tu ne peux pas être en couple avec un homme de cet âge-là si ce n'est pas pour le kaolo. Donc elle était obligée de work. Donc, pendant que madame partait work le kaolo, le blanc restait derrière. Il utilisait la carte bleue, il utilisait son nom, il utilisait sa carte bancaire, ses données bancaires, oh. Prendre les crédits, la télé, crédit, la voiture, crédit, le meuble, l'immobilier de la maison, crédit, 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 jusqu'à ses montants à 30 000. Et ça, ce n'est pas du mensonge. Jusqu'à ses montants à 30 000. Et cet idiot n'était pas au courant. Elle était là, elle se vantait. Voilà ma nouvelle voiture. Elle se vantait avec ses autres quotas. Voilà ma nouvelle voiture, ma soeur. Ma vie a percé. Oh, je suis arrivée. Oh, je suis à peine arrivée en main. J'ai déjà la voiture ici. Maman, regarde la télé que je regarde chez moi. Une télé de 3 mètres. Le crédit de ça. Tu peux même faire un crédit pour toi pour embellir le chez toi. Mais que le blanc te dupe. On te roule dans la farine pendant que tu es en train d'écurer les toilettes. Lui, il se sert de toi. Il s'est bien servi de toi pour plus de 10 ans. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Plus de 10 ans, tu as voir. Tu étais son esclave. Oui. Non seulement tu travaillais pour sa gueule parce que papy était assis sur le canapé, hein, a fumé la cigarette. Vous connaissez les vieux blancs, non? Non, mais franchement, nous tous, on connaît les vieux. Tout le monde a déjà connu un vieux Watt dans sa vie depuis que nous sommes en bain. Vous connaissez les gens de vieux Watt que il s'assied, il s'assoit là, il a le café à main, il zappe la télé, il fume la cigarette, il zappe la télé, il fume la cigarette, il parle seul avec la télé, il crie avec la télé, il s'indigne de tout ce qui se passe à la télé, il boit le café, il fume sa clope. Celle-ci, l'idiot de Mbinda, rêve Mbinda. Pendant ce temps, elle est en train d'écurer les toilettes. Ah, on voit ça. Après, je dis que je suis intelligente, je suis intellectuelle. Maman, et on a réussi à t'enrouler dans la farine comme ça. Même là, même les dernières gosailleuses qui arrivent là. On ne peut pas les duper comme ça. On prend une fille au pays maintenant, mais en main. On lui met face à ce genre de vieux Watt. Langa va la gérer. Elle va pouvoir gérer le père là. Toi, tu n'as même pas pu gérer ce vieux père. Tu es parti là-bas, les fesses plates. Les fesses plates. Tu étais obligé d'aller chercher le gnoxement dehors. Combien de nos frères t'ont gnoxé là-bas en Allemagne? La jachère voulait ta mort. La jachère. Tu peux être avec un homme, il ne te regarde pas. Dans la même maison. Tu croyais que le gars allait. Elle croyait que le blanc là, allait vite qu'il a mort. Je vous dis que les gars là, on les donne certains médicaments dans les hôpitaux là. Mes soeurs, épousez vos vieux par amour. N'épousez plus en espérant qu'il va vite d'ailleurs. Notre soeur Rêve Mbinda est allée supporter. Elle a vu le voilà en pensant que le père là allait vite glisser. Mais le gars était le genre d'ancien combattant. Là, les anciens combattants qui ont les guerres de 1944, la deuxième guerre mondiale, le gars est natif de ces années-là. Donc le gars était prêt, malgré son vieil âge de 90 ans. Quelqu'un qui a fait la guerre en 1944, y'a vraiment, on peut faire ça. On peut faire ça. 1944, quelqu'un a fait la guerre. Et tu es là, tu rêves qu'il va vite d'ailleurs. Mais il t'a montré que non seulement je vais profiter de toi parce que tu es idiot, imbécile, et il va te botter le cul. Et le gars que vous entendez ici, le vieux papa là, demandez-moi qu'il est retourné avec qui après avoir botté le cul de celle qu'on appelle Rêve Mbinda. Il est
retourner avec son ancienne vieille vieille corom blanche. Les amours de jeunesse. On peut quitter une jeune femme comme Raven Minda pour retourner avec une corom des années 40 aussi et porter le cul d'une jeune Adama. Il faut aller vous laver dans le nez si c'est une rivière. S'il y a une rivière dans votre village, allez vous laver là-bas. Parce que si un homme d'un certain âge me quitte, moi qui suis jeune, pour repartir avec une femme de son âge, donc 90 ans, les années 44 de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai un problème. Vous avez vraiment le problème. Ça veut dire que la poisse là a dépassé le niveau. Et c'est elle qui s'assoit, elle prend mes photos, regarde-moi celle-ci. Regarde, je suis une belle femme. Enlève, je dis que ne mets pas le make-up. Enlevons les perruques. On enlève le make-up, on enlève tout, on voit. On poste, les internautes nous jugent. Tu rates ta vie, c'est sur moi que tu viens t'en prendre. Tu quittes l'ombre de ta soeur parce que tu étais sous son ombre. Tu l'enviais. Tu quittes l'ombre de ta soeur pour venir dire que tu es venu sur les réseaux sociaux pour Élise. À vous traiter où? À vous. Je suis déjà en forme. Plus qu'en forme. Le Ngatala m'a permis même que je guérisse bien. Tu as vu comment je suis en forme, non? À vous traiter où, là? Tu vas sauf que revenir me clasher. Tu m'as clashé un petit jour, tu as fui. Tu n'avais plus rien à dire. Moi, je n'ai encore rien dit. Hein? Je donne seulement les à peu près. Parce qu'il faudra que les internautes écoutent ce que j'ai sur toi. Des filles qui se vantent sur les réseaux sociaux. Mon père était. Depuis que tu es venu, dis-nous, tu es venu en Europe comment? Tu es arrivé en Europe avant ta bique. Tu ne l'as même pas fait voyager. Elle était obligée de poser. De pays en pays pour atterrir ici. La première des choses que chaque personne fait quand il arrive en Bénin, il essaye au moins de faire venir un membre de sa famille. Toi, la tienne était obligée de Boza. Le Boza manque de ça. Hein? Le Boza manque de ça. Là, voilà aujourd'hui. Là, voilà qu'on écrase son pistache partout. Là, voilà que tout le monde a son pistache dans le téléphone. Comme ça, là. Chacun s'en vante qu'il a ça. Va alors défendre ta soeur. Si tu es trop King Kong, va la défendre. Tu as eu le grand jardin qu'elle bouffe. Va la défendre si tu es King Kong. Pauvre de va. Tu crois que j'ai faim? Tu parles de ma page YouTube. Tu es parti dormir sur ma page YouTube. Tu croyais que tu allais trouver quoi là-bas? Elle a fait une semaine dans ma page YouTube à regarder plus de 300 vidéos. Cette idiote que vous voyez là. En espérant qu'elle va trouver quelque chose. En faisant des captures d'écran, des vidéos qui ont 4 ans. Certaines vidéos ont 4 ans. Elle dormait là-bas. Elle n'avait que ça à faire. Une mère d'enfant. Va travailler. Ton bébé a 12 mois. Il y a les moyens de garde pour les enfants. Va bosser. Une fille comme toi qui passe, tu parles qu'avec des vieilles femmes qui ne sont pas de ton âge. Tu es dans tous les inbox. Une congosseuse qui... Tu as déjà entendu que j'ai discuté avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Tu as entendu mon nom quelque part. Que Élise a dit que nous étions dans un groupe, dans le groupe là. Élise avait parlé. Elle a dit que... Tu as déjà entendu ça de moi. J'ai mes limites. Je sais me préserver. J'ai mes limites. Toi, ta misérable vie que tu racontes dans les inbox, dans les groupes là, ça va venir aussi nous couver ici. Parce que tu es oisif. Tu t'ennuies. Ton gars t'a abandonné avec sa semence. Il est rentré au pays. Il a dit que reste avec. L'enfant va me chercher. Oui. Tu crois que je suis toi? Tu peux dire quoi sur moi? Tu me connais? Tu peux dire quoi sur moi?
Tu vas dire les mêmes choses qu'on dit sur les réseaux sociaux là. Les mêmes choses qu'on dit sur moi depuis 3-4 ans. Les mêmes choses. Je ne vois pas quelqu'un qui dit quelque chose de nouveau. Hein. Oh, merci Bibiche. Merci. Hein? Tu viens, tu t'assois sur les poufs. Tu as peur de pisser. Tu as aussi peur. On vous appelle ça au village. Tu as aussi peur de pisser, apparemment. On peut s'asseoir, il y a le radiateur derrière. Elles aiment le radiateur jusqu'à. Elles aiment le radiateur. Où elle chauffe quoi? Où elle chauffe le cul, je ne sais pas. Où. Qu'est-ce que vous chauffez? Il y a toujours le radiateur derrière qui leur sert de meuble. Hein? Après, elle cale. Où c'est 4 poufs ici? 4 poufs ici. Elle soulève encore ses fesses. Elle cale 4 poufs. 1m15. Et c'est ça qui vient sur les réseaux sociaux. On te dit que je n'ai pas ta misérable vie. C'est normal que tu peux me détester. Toi et moi, on a pratiquement le même âge. Si ta soeur a plus de 55 ans, toi là, tu dois au moins avoir minimum 43 ou 44. Tu dois même être mon aîné. Parce que quand j'ai bien regardé ton visage, je vois déjà que ton visage a déjà plus de rides que le mien. Ton visage est plus fané que le mien. Oui, malgré les tonnes de make-up que tu mets, il est plus fané que le mien. Tu as besoin de ça. De déjà t'asseoir comme ça. Le Congo, ça va vous tuer. Le Congo, ça occupe pas de tes enfants. Deux enfants, deux pères différents. Un, tu étais parti pour la semence au Cameroun. Le mari de lui, on t'a botté le cul là-bas. L'autre, tu dis que, oh, il était en bain, il est venu à 9 ans, et il a mis sa part de semence, il a poum. On peut fuir une femme avec, en laissant ses enfants, et la femme clame que je suis amoureuse. Il ne pouvait pas rester ici en bain, boxer en bain avec toi pour élever votre fille. Élever vos enfants, puisque tu en as deux. Mais le gars a préféré fuir, on se pose la question. Pourquoi il a fui? SOS, retrouver le père de l'enfant de la fille de Rembinda. SOS, retrouver le père de l'enfant de la fille de Rembinda. SOS, retrouver le père de l'enfant de la fille de Rembinda. Qui vient nous dire pourquoi il a fui une femme après l'avoir enceinte? Il est quand même retourné au pays. Il a dit que malais, je fuis la malchance. Façon aussi, vous connaissez les filles courtes de taille, non? Ils sont pas faciles. Oui, oui. Et ça vient, ça se lève, ça me dit, mamie, je prépare ton vrai live. Si j'ai le temps ce soir, comme demain c'est mon anniversaire, je peux me saouler au champagne pour toi. Oui, oui, oui. Demain c'est mon anniversaire. Je vais me saouler au champagne pour toi. Et je vais te traiter, je vais te écouter les voices, les lives que j'ai pour toi là. Je vais faire écouter ça. Le boumbou de la mamie de la personne qui m'envoie les têtes de mort. Le mamie Pima. Oui, c'est ça et pas autrement. Tu n'as pas honte, à 8h du matin, tu envoies les têtes de mort. C'est que tu es une aigrise. Tu es aigri. Les gens sont là, ils envoient les cœurs, ils envoient les souris, ils rigolent. Toi, tu viens envoyer les têtes de mort. Aigri, va. Aigri, ta vie est malheureuse. C'est pour ça que tu peux qu'envoyer les têtes de mort. Tu as compris? Bon, mes amis, restez connectés. Je suis de retour. On va prendre tous les japapes qu'il y a là et on va s'en servir. Je vous dis que le dossier Mbinda n'est pas encore fini. Il y a du lourd. Vous allez écouter. Je vais mettre le haut-parleur. Vous allez écouter avec vos oreilles. Parce qu'on m'a dit que j'aime pas. Combien croient que les gens ne sont pas au courant de sa misérable vie qu'on nous a vendue il y a 3 ans là. Sous ce sur, si j'ai le temps, je vais même m'arranger d'avoir le temps aujourd'hui. Parce que demain, comme c'est mon anniversaire, il faut que je sois bien, je bois un coup, que je sois à l'aise, que je fête mon anniversaire. Quoi. Je ne vais pas être là à faire les directs le jour de mon anniversaire. Mais si j'ai le temps, croisons les doigts qu'aujourd'hui là, j'ai fini d'avoir avec elle. Mais si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps, c'est parti remise, non. Beaucoup sont déjà en vacances. Les enfants sont en vacances. Tout le monde est déjà en vacances. Non, Facebook est là.
Bonne journée à vous tous. Allez lui dire qu'elle revienne. Allez lui dire. Nous sommes là. Le game est lancé. Moi, je n'invente rien. Ce que je dis là est vrai. Elle se reconnaît dedans. Mais qu'elle aussi dise des vraies choses sur moi. Parle à peu près. Parle. On a dit que tiens, j'ai dit que ta belle famille m'a appelé. Ouf! Dans tes rêves. Je dis bien que dans tes rêves. Parce que comme vous ne pouvez rien dire sur moi, vous vous attaquez toujours à mon mari. Mais est-ce qu'il vous gère? Un homme qui ne gère pas les réseaux sociaux, sur sa page, il n'y a même pas. Même pas. Parfois, les publications qu'il publie, les photos même qu'il publie, datent de 2 ans. Moi-même, je lui dis toujours qu'il y a le type, c'est même les photos récentes. Non, il y a. Je balance. Quelqu'un va croire que c'est une photo qui date d'aujourd'hui. Pourtant, c'est une photo qui date de Kalakala. C'est de moi qu'il s'agit. Ne rêve pas. On peut donner un nom. Un enfant que rêve. Une rêveuse. Bonne journée à vous. Merci pour l'écoute. Nous sommes ensemble.